On avait concocté un plan de jeu pour pouvoir expulser l'adversaire dès l'entame du match. On a eu des occasions dès l'entame du match qu'on n'a pas pu mettre au fond. Et puis après, on a eu coup sur coup, deux buts contre coup du match. C'était déjà trop tard pour revenir au score. Et puis après, c'était le break déjà à la mi-temps. 3-0 avant la mi-temps, c'était difficile. Maintenant, puis après, on est revenu dans le match. Il fallait maintenant aller à l'abordage et puis ben voilà, essayer quand même de réduire l'écart. En passant 3 derrière, on a passé franchement par les côtés pour pouvoir essayer de prendre l'équipe par les côtés. Ça n'a pas suffi parce que c'était déjà trop tard. 3 goals en première partie, ça fait lourd, c'est lourd. Donc, ça ne veut pas dire systématiquement qu'on va en victime expiatoire à Boycon. On va essayer quand même de se remobiliser. Et puis voilà, et vu qu'on se trouve content vers la fin de l'ouverture du mercato, il va falloir maintenant chercher encore ailleurs, essayer de toffer l'effectif pour voir ce que ça va donner. Voilà. On s'est donné à fond pour pouvoir apporter les 3 points de ce gain, de ce match. On s'est donné. On a tout fait. Et en plus, on a eu la chance. On a marqué 4 buts. Vraiment, c'est bon, c'est formidable. Les Polonais ont essayé, ils ont fait ce qu'il faut. Ils ont mouillé le maillot. C'est une fierté pour moi parce qu'on a travaillé. On va continuer à travailler pour les matchs suivants. On va continuer encore. On va encore essayer. L'équipe de Pauvet aussi n'est pas déméritée. Ils ont fait leur mieux. C'est la chance qui a souri et on a bien remporté ce match. Nous allons continuer encore à travailler. Parce que jouer avec Quentin chez lui, ce n'est pas amusant. On va encore continuer. On va encore lever l'effort pour pouvoir encore remporter.